Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Ludora no Yo. Et on se... Ouais, j'ai monté d'un niveau. Ouais, je perdais mes mots. J'ai monté d'un niveau, j'ai vu qu'il restait que même pas 20 XP, donc j'ai fait deux combats dehors pour monter d'un niveau. Par contre, on gagne très 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 peu d'or. Et du coup, c'est quasi impossible de... C'est quasi impossible que j'achète les équipements pour l'instant là. J'ai même revendu ma rapière et tout, mais... J'ai vraiment pas assez. Voilà. Alors faut passer par derrière normalement. Je sais plus comment on fait. Ah voilà. Plus par où faut aller. Non, c'est pas par là. Ah oui, voilà, c'est par là. Ah, donc notre but c'est d'aller en bas et ouvrir aux enfants. Parce que la résistance c'est des gosses, hein. Vérifier un petit truc. Est-ce que ce serait pas mieux pour lui? Si, yes. Parfait. Par contre, on peut rien lui mettre. J'aurais dû garder mon autre accessoire pour lui mettre, bon, c'est pas grave. Au moins, il y a ça qui est mieux pour lui. Ok, c'est parti. Ça a l'air d'être la suite. Bon, à la limite, ouais. Après ça, on pourrait retourner au marchand acheter des trucs. Mais bon, c'est un peu débile. Ça doit être un équipement, ça. On va aller là directement. Merde, on peut pas les voir là? Ah, ceux, c'est des bots, ok. Ok. Alors, je sais plus s'il faut descendre. Régulus, ah, ça, ça a l'air bien, ça. Ah non, c'est pas ça. Non plus. Je vais tous les faire sauf le bon. Putain, merde, c'est quoi? Une arbalète. Ah, c'est pas pour lui? Ah oui, d'accord, ouais, c'est bon. C'est pour un perso qu'on a pas encore en fait. C'est un peu bizarre de nous donner des équipements pour lui à ce moment-là. Mais... donc, normalement, faut qu'on descende. C'est pas très sécurisé leur truc. Donc là, le mec, c'est un ninja, il s'est multiplié. Il s'est divisé en trois parties. Non, mais what the fuck. Ah oui, quand même. Putain, belle esquive. On va essayer ça. Merde, il est où?
Efficace. Efficace et pas cher. Non, je rigole. Alors, c'est la MAF. Allez, une armée d'enfants sales, allez. Les triplés. Non. C'est un peu con leur plan, on peut le faire tout seul ça, enfin bref. Ah, vous voyez, mais en fait c'est des papillons qui sont enfermés là-dedans. Attendez, je regarde un truc. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Merde, c'est où? Statue? Ah voilà. Foudre, vent. C'est vent ou terre ce truc? Ça doit être terre en fait, pas vent. Ça c'est pour se regarder, on va le faire. Ça me font chier. Ah c'est bon. J'avais pas trop envie de les combattre alors qu'il y a un boss juste après. Ben, on va quand même regarder un truc, attendez. C'est où? 19 XP pour un niveau, ouais. 31 XP. Ouais. Si ça peut réduire le combat de boss. Ça peut réduire la durée du combat du boss, je veux dire. Ah ouais, mais ça va mettre 2 ans là. C'est bien qu'on ouais, on arrive à monter d'un niveau pour chaque perso, comme ça le boss ça sera moins long et au final ça aura valu le coup de faire ses combats, de perdre du temps pour ses combats pour en gagner après quoi. On va voir ce que ça donne. Yes. Et on avait dit Garlil. Attends, j'ai une mémoire de merde. 10 XP, bon c'est bon. Pour 10 XP on va le refaire aussi. Ouais c'est bon. Ah. Parfait.
premier boss du jeu. Avec une musique vraiment sympa aussi d'ailleurs. Alors combien lui fait. D'accord. On va y aller à la bourrin en fait. Ah, il est trop classe avec son esquive. Ah, je l'avais pas vu ça. On va lui faire un... un Rifou, pas de sûr. Non, on va juste tester Rifou normal. Je sais pas si ça suffit. Ouais, c'est ça. Il fait l'oiseau. L'oiseau. Putain, il esquive. Je crois qu'il craint pas du tout. Oh putain. Il est chaud le boss. Hein. Sa mère. Il est vraiment hard. Hein. Putain, mais arrête de taper lui. Là, la seule chance c'est qu'il tape l'autre. Alors on pourrait se dire, ouais, il suffit que je bonne le boss, peut-être qu'il y a des chances que je le tue. Mais en fait non, parce que dans ce jeu on voit quand les boss sont bientôt morts. Bordel de merde. Y'a pas un objet sinon. Merde, je sais plus ce que ça veut dire. C'est quoi ça déjà? Ok. Ok, ranime. Peut-être que ça va lui donner plus de vie. C'est n'importe quoi. Il est tellement dur. Putain, faut se dire, c'est le premier boss du jeu, quoi. C'est. Pas des trucs là. Non. On va voir ce que ça fait sac vert. D'accord, c'est nul. Ça. Je pense qu'il faudrait de la foudre, mais je sais pas ce qui est efficace sur lui. Oh sa mère la pute. Désolé des insultes, mais c'est trop dur, putain de sa mère. Oh là 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 là. Je me rappelais pas qu'il était aussi dur, c'est une horreur. Je dois refarmer. Hein. Ça y est, ça commence. Après, il y a une logique, hein. On est que des humains contre un robot. Hein. C'est pas étonnant qu'on se démonte. Thank you.
Ouais, combat c'est pas intéressant parce que j'ai pas encore de bonne magie. Ça viendra après. Oh mince, 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 mince. C'est tellement dur. Oh là là. Allez, c'est bon. C'est l'espoir là. Enfin, vraiment des sorts pour augmenter les stats ou des trucs comme ça. Vous voyez que ça rigole pas les difficultés dans le jeu. Pour le début en tout cas, ça abusait je trouve. Désolé, j'ai été ultra vulgaire. Ouf. Faut mieux faire gaffe. Putain. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bourrine? Je bourrine. Oh! Alléluia! Ah, c'était tellement trop dur! Putain, c'était horriblement dur. J'étais en même temps, j'avais aucun équipement, j'avais les équipements du début. Et puis j'ai appris aucun bon sort. Donc forcément. Il répond à aucune question. J'adore dans les jeux quand ça fait ça. Quand il y a des trucs qui gênent et que d'un coup on les enlève. Ça doit être parce que je suis un maniaque de la propreté. Non, je rigole. Non mais ouais, c'est vraiment sympa. En plus là ça a changé le décor et tout. Le jeu est plus joli aussi, c'est plus agréable à jouer. C'est tout éclairé.
Voilà, dans quel état on est? Oh putain, faut pas sortir comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner à l'auberge. Voilà, là il faut savoir qu'on est. On peut partir normalement. En bateau. Parce que maintenant le port est accessible. On va d'abord retraverser la forêt. En fait, j'aimerais terminer le jour. Pardon. J'aimerais terminer le jour. À la fin de la vidéo. Plutôt que couper avant. Donc. Donc c'est ce qu'on va faire. Même si la vidéo sera un peu plus longue, c'est pas grave. Putain, je l'avais loupé ça. Je vais de repasser là. Purumo. Purumo. On va faire ça. Ah non, c'est Purumo pour l'interrogation. Ah oui, d'accord. En gros, ça veut dire qu'il manque une syllabe. Par contre, c'est quoi ça? Hit up. Ah oui, d'accord. C'est pour rendre nos attaques inesquivables, je pense, un truc comme ça. Ouais. Faudrait pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est assez chiant les combats quand même. Hein. Vous voyez par exemple le deuxième donjon, enfin la truc du maire, il n'y avait pas vraiment de combat en fait. Enfin, les combats étaient pas abusés au niveau de la fréquence. Putain, faut qu'on fasse gaffe quand même. On pourrait pas mourir non plus. Celle, vu qu'elle était morte lors du boss, elle a pas monté de niveau. Je l'ai pris le coffre en haut. Non, on s'en fout. Ah là là. En plus, je peux même pas faire mon attaque de terre de zone puisque ça va pas aller toucher. Enfin, à part la fleur. Voilà, c'est bon. Oui, tout est plus éclairé qu'avant. Donc là, on va dire au revoir à notre. Merde. Le gros boulet, quoi. Non. Ah, mais oui, forcément. Je suis con. C'est où? Putain, mais c'est où? Je suis paumé, quoi. Bah, il est où l'autre? Plus qu'il y a là-dedans. N'importe quoi les prix. Après bon, je galère au début pour l'argent, mais après ça ira. Ah, voilà.
Bon, là, après, si on connaît un peu, on peut le créer nous-mêmes, les magies. Voilà, donc là, on sait qu'on doit aller à la grotte dehors, maintenant. Donc, demi-tour. Peut-être couper au montage la forêt. Toujours à 2 jours, mais maintenant c'est la nuit entre le 2e et le 3e jour. En fait, ce sera peut-être plus simple que je quitte là. Ouais. Bah écoutez, je quitte là et puis on se retrouve au port, comme ça le 3e jour débutera. La prochaine fois qu'on jouera à Risa. Le jour se lèvera et ce sera le 3e jour. Donc on va considérer que j'ai fini le 2e jour, puisque c'est la nuit. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine pour. Pas pour la suite de Snaudriza, mais pour un autre perso, donc Sion ou Salent. Je sais pas encore lequel. Et puis, je vous dis. Ouais, je vous dis à la prochaine du coup. Salut!